Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo idée déco et ça sera la déco de mon entrée, donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner plein d'idées et on va commencer dès maintenant. Donc là on est directement dans l'entrée de mon appartement et on va commencer par la porte. Donc la porte je l'ai cachée avec un rideau rose puisque sinon elle est en bois et c'est vraiment super moche en fait, elle est super moche. Donc du coup je l'ai cachée et comme ça aussi vu qu'il y a de l'air qui passe comme ça, ça évite que l'air passe. Donc c'est un rideau rose de chez Maison du Monde qui me semble est à peu près à 39,90€ il me semble. Donc c'est un peu en velours. À côté j'ai mis la pancarte attention Chihuahua, je monte la garde, ce qu'on m'avait offert à Noël, donc je l'ai mis ici. Ensuite on a la porte des toilettes et je vous avais pas montré ça mais j'ai acheté ça à Maison du Monde et je trouve que ça fait super bien avec la déco de mon entrée. Donc là c'est les toilettes. Donc ensuite sur le mur rose j'ai mis une étagère qui vient de chez Ikea qui coûte 50€ et j'aime beaucoup ces étagères là puisque j'en ai une aussi dans mon salon. Donc en premier on a la lanterne de chez Ikea que tout le monde connaît je pense, avec une petite bougie blanche que j'ai mis à l'intérieur. Sur la deuxième j'ai mis les petits objets que j'ai trouvé chez Action. Donc celui-ci c'est pour ranger les clés et là c'est pour mettre la date mais elle n'est pas du tout à la bonne date. Ensuite c'est encore un objet de chez Action donc qui n'a pas coûté grand chose, moins de 3€ c'est sûr. Mais voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Ensuite, vers le bas, on a un cadre où j'ai pas encore mis de photos à l'intérieur puisque j'ai plus du tout d'imprimante. Donc, faut que j'achète une imprimante pour pouvoir trouver de belles photos sur internet. Mais sinon, ce cadre-là vient de chez Jiffy et la petite rose qui est juste devant de chez Maison du Monde. Et je trouve que ça fait super sympa. Et en dessous, j'ai mis des bougies de chez Alinea ou Ikea. C'est un des deux. À côté, comme on peut voir, j'ai un grand placard. Donc, c'est là où je range mes vestes, mes manteaux et mes sacs à main. Donc là on est toujours dans l'entrée mais sur l'autre côté. Donc là vous avez la porte, enfin une porte qui donne sur le rangement où je range mes produits alimentaires, mes produits hygiène, mes papiers, etc. Et là vous avez la cuisine. Et sinon la déco de ce mur ça a été fait par mon papa. Donc en fait il a acheté du bois et enfin c'est moi qui lui ai demandé. C'est moi qui lui ai demandé la chieuse donc de me faire ça et je trouve ça super sympa. En fait j'adore. Donc c'est, il a acheté du bois et il a coupé pour que ça me fasse un petit mur de poutre en bois on va dire. Et après je lui ai demandé si je pouvais rajouter des petits morceaux de bois pour couper un petit peu. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Donc sur ce mur de bois j'ai mis une tête de cerf blanche. Donc celle-ci vient de chez Action qui est à 6,99€ hein, car vous pouvez trouver la même chez Maison du Monde à 42€. Mais perso je préfère mettre 6,99€ que 42€, surtout que la tête de cerf est très ressemblante à celle de Maison du Monde. Ensuite le cadre vient de chez Maison du Monde. Donc voilà, dans les tons roses, il n'y a pas de photo encore à l'intérieur puisque j'en ai pas trouvé, mais ça sera sûrement des roses. Et ici j'ai mis un petit cœur qui vient de chez Action et qui coûte 1,25€ il me semble, donc rien du tout. Et devant le mur en bois j'ai voulu faire un petit coin un peu sympa, donc avec une petite table donc, qui vient de chez Maison du Monde et un petit fauteuil qui vient de chez Alinea. Donc le fauteuil coûte 130€ chez Alinea, vous avez pas mal de couleurs. Et l'oreiller rose et blanc qui vient de chez Leclerc que j'ai acheté cet été. Et sinon la petite table vient de chez Maison du Monde. Donc le petit vase et les fleurs viennent de chez Maison du Monde. Enfin beaucoup de choses viennent de chez Maison du Monde et Action dans cette entrée. Donc voilà, moi je trouve ce coin plutôt sympa. Ensuite on a un petit bout de mur où j'ai mis un cadre pareil qui vient de chez Action. Ensuite vous avez mon salon que vous verrez sûrement dans une vidéo déco. Mais pour le moment je change tous les meubles donc on n'est pas prêt de l'avoir à mon avis. Ensuite, on a le couloir et dans le couloir j'ai mis juste un seul cadre. Et c'est un cadre qui vient de chez Action pour 5,99€ il me semble. Et je trouvais qu'il allait parfaitement dans mon entrée, donc dans les tons roses, bois et un petit peu de blanc. Donc voilà, je trouvais qu'il était juste parfait. Il est, voilà, je trouve qu'il fait super beau dans mon entrée.
Ensuite, au bout du couloir, pareil, au début il n'y avait rien, mais je trouvais que ça faisait super vite, donc j'ai décoré. Donc tout est blanc à part deux pans roses. Donc celui-ci, le mur est rose, j'ai mis 4 cadres. Pour l'instant, il n'y a rien dedans également, puisque j'ai pas encore tiré les photos. J'avoue que sur ça, à chaque fois que j'y vais et à chaque fois, je n'y pense pas. Et ensuite, et là au niveau de la déco, c'est pas grand chose, c'est deux poufs à 39,90 il me semble, de chez Ikea. Et dessus j'ai mis un petit plateau rose de chez Action et trois petites bougies blanches de chez Action, pardon. Et voilà, donc pareil, vous avez la salle de bain et on a un autre grand placard dans mon entrée, donc ça c'est plutôt sympa. Et c'est ici que j'ai fait mon dressing à chaussures, donc vous avez toutes les étagères de mes chaussures quoi. Parce qu'il y en a vraiment pas mal, donc voilà, il me fallait vraiment un dressing à chaussures. Donc voilà pour la déco de mon entrée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a donné pas mal d'idées au niveau décoration. Et si vous voulez d'autres pièces de mon appartement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la pièce que vous aimeriez bien voir. Et si vous voulez que je continue à faire des vidéos déco, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut.